Mais va-t'en! Va-t'en! Pas possible ça! Salut tout le monde, amis, c'est Timos avec le micro devant la bouche, c'est encore mieux pour le quatrième épisode de Laser 2, le petit mod assez sympathique. Bon, j'ai un petit peu miné, on va dire, depuis l'épisode précédent. J'ai récupéré de la zanite, j'ai récupéré ceci, de la golden amber. Alors ça, c'est tout simplement, comme je vous expliquais, par rapport aux arbres, on les voit plus ici, mais les arbres dorés, mais si on en voit là-bas, voilà, là-bas. En fait, il faut le récupérer avec une hache, donc celle-ci, ça marche avec celle-ci. J'ai récupéré ça, c'est impossible à trouver, de la gravitite or, donc voilà, c'est assez rare, je sais pas ce qu'on peut faire avec, sûrement des armures, j'imagine. Je pense que c'est l'équivalent du diamant, ouais, on peut faire des trucs en diamant, avec ça, comment ça se craft ça? Hein? Comment on a ça? Enchanté. Ah, il faut l'enchanter, d'accord, ok. Alors, est-ce que ça se fait cuire? Non, ça se fait pas cuire, il faut directement l'enchanter, apparemment. Bon, bref. Donc, on a ça. Pourquoi pas. On va poser ça. Voilà. J'ai récupéré... Voilà, ça, j'ai récupéré sur des espèces de fleurs vivantes. En fait, il y a des petites fleurs... Ben, peut-être que je pourrais vous le montrer. En fait, il y a des fleurs vivantes. Ah, ben, aussi, voilà, ici, il y en a une. Toujours, elle spawn ici, c'est bizarre. Et en fait, déjà, quand on est dessus... Elle nous donne des wineberry. Et là, vous avez d'autres sortes de plantes comme celle-ci. Et l'autre, les autres vous donnent des colorants comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire du chocolat. D'accord, ok, très bien. À voir. Ah, ça, je crois que c'est méchant, ça, non? Donc, du coup, on va poser tout ce qui nous sert à rien. J'ai récupéré des pommes aussi. Alors, on va faire cuire ça. De l'ambrosium à la base. Hop. Et donc avec ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire, c'est assez cool, on va faire ça, regardez, use, voilà. On peut faire des sarbacanes, je crois que c'est, bon, ça s'appelle des sarbacanes, donc on va faire ça. C'est tout simple, comme ceci, et comme ceci, et par contre, j'ai pas regardé pour le... ok, des plumes, ça, ça, et ça. Au niveau des dégâts, je ne sais pas. Ce que ça fait. On va voir, il n'y a pas quelque chose à tuer là. Ah, si là. Piou. Non, tombe pas. Reviens. Piou. Ah, j'en ai plus, merde. et on va en refaire. Donc ça fait pas énormément de dégâts, j'ai l'impression. Mais bon, c'est rigolo. Et j'imagine qu'on peut en faire sur d'autres, avec d'autres matériaux. Piou. Ah, si, quand même, en 3 coups, on peut tuer, c'est pas trop mauvais. Comment ça s'appelle ça? C'est des darts. J'imagine qu'il y en a plusieurs. Voilà. Enchanted dart. Ok. Poison dart. Ok. Est-ce qu'il y a vos poisons et comment on l'a ça? Ils ne disent pas. Ok. Peut-être en récupérant dans les donjons, ça c'est possible. Et après c'est pareil. Il y a plusieurs types. Ah ouais, d'accord. Il y a plusieurs types aussi. Ah, ça va peut-être se. Mais non, je sais pas. Phoenix. Je pense que ça va se récupérer à mon avis. Et celle-ci, on peut la skyroot poison. Ok. Skyroot poison. Ah, peut-être qu'il y a des sources, je sais pas. Je m'en renseignerai sur ça. Enfin bref, donc on a ça, c'est plutôt cool, ça on peut manger. On va le regarder, ça peut toujours servir. On va faire cuire ça. On va poser ce qui nous sert à rien. Ça, ça, je récupère un petit peu de nuages aussi. Tout ça. Et ce que je vous propose, moi, c'est qu'on fasse une petite habitation. On va aller faire ça là-bas, je pense. Au moins qu'on fasse ça ici. Non, ici non, parce que je pourrais pas creuser sous le sol. Donc on va aller vers là-bas. Et je vais utiliser... Est-ce qu'on peut récupérer des bois comme ceci, là? Ouais, on peut. Donc je vais utiliser ça. Ça peut toujours servir pour faire des jolis du relief au niveau des maisons. Alors, j'ai pas du tout préparé le schéma de la maison. Mais bon, on verra ce qu'on va faire. Et écoutez, ben, je vais récolter quelques ressources et on fera ça directement juste après. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, re les amis. Alors je continue, je suis à la suite en fait donc, du coup de l'intro que vous avez pu voir. Il faut savoir que je tourne un jour ou deux jours après du coup, la première petite intro que vous avez vue. J'ai fait une petite plateforme juste ici, je suis parti vraiment pas très loin, vous voyez c'est juste ici là.
je suis traversé, je suis venu ici. J'ai fait une petite plateforme, j'avais réfléchi en fait pour faire une espèce d'île volante. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à designer ça ici. Mais c'était vraiment trop compliqué. Donc peut-être que je ferai ça. L'espèce de deal volante. Pas sûr, mais bon, en tout cas, on va s'installer ici. Donc je vais faire une petite muraille, un petit château fort. Alors je sais pas si la plateforme du coup sera assez grande. J'ai l'impression que les dimensions sont pas bonnes, alors que normalement, c'est tout est bien calculé. Attends, je vais regarder. 1, 2, 3. Attends, on va pas se faire chier, on va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, c'est ça. Ok, bah bizarre. Mais franchement, je vais aller dormir parce que sinon on va se faire agresser par les mobs. Donc voilà, une petite muraille. J'ai pas du tout commencé à designer ça en créatif de mon côté. On va faire ça, je vais faire ça au feeling avec vous. Donc on va voir ça. Alors je vais dormir. Il y a ce truc à la con là. Va-t'en, allez-vous-en. Donc là, c'est mon lit. Oh! Allez, au dodo, encore ces problèmes avec le lit, le record qui crache, je comprends pas. Bref, donc on va faire ça principalement en holy stone, et on va utiliser aussi du skyroot planks, ça me paraît pas trop mal. Puis on va utiliser parce qu'en fait, vous voyez, avec ça, on peut tout simplement faire de la brique comme ceci. Donc on va faire ça comme ça, avec ces matériaux. Donc, je vais designer avec vous le premier pilier, parce que je vais faire des petits piliers, et après je m'occuperai de faire les autres, et on verra pour faire les petites murailles. Voilà, tout simplement. Je vais casser ça. Attends. Je sens qu'on risque de mourir plusieurs fois. Ah oui, mais attendez, avant de faire ça, je vais faire... Ah d'accord, on va donner l'imbrosium, le mob. Je vais faire un truc, normalement, alors je suis parti miner aussi un peu de diamants dans le monde normal. On peut crafter des sels. Alors ça se crafte comme ceci, avec un fil. Est-ce que j'ai un fil ici? Non, ok, on récupère un fil. Pour grimper, on va du coup essayer de voir si on peut grimper sur les cochons volants. Et si on peut s'envoler, ça pourrait être cool. Et au pire des cas, ça servira pour les dos du haut. Et j'ai aussi récupéré, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert le coffre tout à l'heure, mais j'ai récupéré des œufs de moa. Et donc je pense que c'était pour élever des moa, tout simplement. Donc on verra ça plus tard. Ah, je crois que j'ai pas de fil du corps. Tac, donc comme ceci, et comme ceci. Salut. Ok, après j'ai pas de carreaux, on verra. On va voir si on fait les carottes. Là, je ferai un pont beaucoup plus joli. Et je pense que j'utiliserai de la glace. Parce que la glace ne s'enlève pas apparemment sur la laser. Donc pour aller plus vite, ce sera plus simple. Alors, un cochon, là, ici. Bonjour. Que ça fonctionne. Et. Ça bug par contre. Ça bug à mort. Ah, c'est bon. Trop bien! J'ai peur de mourir. Et si je lâche, ça fait quoi? Est-ce qu'il prend des dégâts de chute ou pas? Non. Trop stylé! Attendez. Allez! La miniature. Voilà. La miniature de l'épisode. Trop stylé. Et puis en plus, on peut se déplacer sans carottes. Oh, je kiffe. Merde, je suis trop gros. Ah non, si je prends, ça lag à mort. Ouais, ça lag un peu. Un peu beaucoup même, donc c'est assez dangereux. Je sais pas où c'est que je suis, mais je vais essayer de descendre. Ah, c'est bon. Franchement, pas mal, je récupère. Est-ce que je peux récupérer la selle? Oh merde, je peux pas récupérer la selle, faudrait que je le tue. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Non, il fallait pas qu'il s'éloigne trop. Au pire, je vais faire un petit enclos. Je sais pas s'ils font deux de large. Yes. Prendre, il s'envole de ouf. Et on peut pas descendre plus vite? Ah si, ah pas mal. Et du coup, est-ce qu'il peut on redescend, voilà. Est-ce qu'il peut s'échapper comme ça? Oui, je crois qu'ils font un de l'argent en fait. Alors, on va faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Parfait. Et du coup... Oh, j'ai plus de cuir. Ça marche avec mon avis avec les vaches aussi.
C'est trop bien, putain, c'est trop classe. Ok, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, on pourra aller plus rapidement à des endroits un peu plus loin. Donc, la Holy Stone Brick. Donc on va faire un mouvement, enfin un mouvement bien sûr. Voilà, on a compris, un truc circulaire comme ceci. Voilà, pas plus grand, les piliers, ça sert à rien. Je vais me faire une table de craft. Paf. On va se faire des petits escaliers avec des slabs. Alors, là, je pense un petit truc comme ceci. Ça va être assez sombre, je vous cache pas, l'extérieur. On essaiera de rendre un peu plus clair l'intérieur. On va torcher. On va continuer avec des briques. Voilà, c'est ce qui devait arriver. Ah, il va. Hop là. Allez, on monte, on va monter de 3 de hauteur. Tac, 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 tac. Ici, on peut imaginer une espèce de petite douve. Douve, je sais plus. Non, c'est un autre nom, je crois, c'est pas douve. J'ai perdu le nom. Voilà, comme ceci. Et du coup, hop, voilà. On peut faire un étage comme ceci. Voilà. Parfait. Et donc au niveau de la hauteur, qu'est-ce que ça donne là déjà? Ben c'est pas trop mal, par contre c'est moche. J'aime pas trop en fait comme ça. Et si je retourne déjà ces escaliers, que je les mets plutôt comme ceci. En fait je crois que c'est les matériaux qui me perturbent. Si je me mets là-bas, parce qu'il faudrait que. En fait, en soi, il faudrait que je fasse un truc de 3 plutôt. Comment dire? Comment vous expliquer? Attends, je vais mettre en place ce que je veux faire et je vous montre ça. Barrez-vous les vaches! Barrez-vous! Me faire envahir! Bon, allez, j'ai commencé, voilà, comme vous pouvez voir ici, le premier côté. Moi, personnellement, j'aime plutôt bien. Du coup, j'ai complètement changé le sol. J'ai mis de la Aether Dirt temporairement. J'ai rajouté des couches en plus ici, parce que sinon, on aurait galéré quand on aurait creusé. Donc, moi, j'aime plutôt bien d'être ici. Je vais juste revoir un petit peu, parce que ça me perturbe cet espace-là, juste ici. Mais c'est pas trop mal, moi, j'aime bien. Donc je vais faire avec vous le côté droit. Oula, maman qui part, c'est le côté droit. Et ça va être bien. Alors j'ai imaginé aussi pour plus tard ici mettre des petites sources d'eau qui tombent du coup dans le vide. Ça pourrait être sympathique avec des petites fleurs, des trucs comme ça. Bien sympa. Pour l'entrée, je verrai faire un petit système en redstone pour faire monter des fences, juste ici des barrières. Ça pourrait être plutôt cool. Alors. Du coup, on fait ça. Le pattern est assez simple, vous aurez compris. 3, 3, 3. On va se faire des petits escaliers. Paf. Et paf. Parfait. Alors, donc du coup, on monte comme ceci de partout. Aïe, les dégâts de chute, ça fait plaisir. Je vais partir récupérer un petit peu de nourriture aussi parce que ça descendait quand même plutôt vite. D'ailleurs, faut que je fasse cuire aussi. Hop. Je pense que c'est chiant les dégâts de chute. Hop là. Allez, terminé. Un des piliers. Du coup, on va prendre un petit peu cher, mais ça va encore. Hop. Tac, tac, tac. Et tac. Parfait. Allez, du coup. Donc ça, c'est un peu comme ceci, comme ceci. Hop. Par contre, là, c'est un peu chiant. Là, c'est même très chiant parce que le souci, c'est que si, voilà, comme ceci. Comment vous dire que je suis pas tranquille, hein? Voilà, parfait. Et donc là, un bloc. Là, je l'ai pas fait. Pas fait. Normalement, des fois, j'arrive à le poser. Voilà, normalement, je l'ai bien posé. Voilà, nickel. C'est le talent, c'est le talent. Hop, et j'ai oublié ici. Bon, c'est pas grave, je vais pas faire une table de craft. Ah non, si c'est bon, j'avais des dalles. Hop, la petite dalle juste ici. Et on vient boucher. Paf, pareil ici. Tac. Allez, c'est pas mal. Ouais, moi je trouve ça assez simple comme design, mais c'est détaillé, mine de rien. Il faudra que je varie avec d'autres matériaux après par la suite. Hop.
Et on finit. Et donc là, il faut quand même que je fasse une table de craft. Hop. On va finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Non! Wouhou! Ça. Et. Voilà. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et. Comme ça. Voilà, parfait. Je me gratte la tête. le mur, je m'en rappelle plus. Par contre, ouais, c'est assez simple au niveau du mur. Alors, au niveau du mur. Par contre, je sais plus combien de blocs il y a. Ça, c'est plus embêtant. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok, 5 après attaque le prochain pilier. 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Attends. Non, ça me perturbe. 3. Ah si, c'est ça. Temps pour moi. Paf, paf. Ok. Très bien. Donc, pareil. Même système, comme ceci. Voilà, voilà. Les petits escaliers. Hop. Est-ce que je vais... Je crois que j'ai bien place. Non. Je passe tranquille. Ok, c'est bon. Voilà. On rebouche ici, comme ça, comme ça. Pareil ici. Comme ceci. Et comme ceci. En bouche. Quand je parle de bouche, je parle pas de genre je bouge, bien sûr, vous avez compris. Ok, je sors. C'est nul. C'est tellement nul. Ça. Ça. Ok. Après, quand on a pris l'habitude, ça va plus vite. Mais bon, là, j'ai un peu peur de tomber dans le vide, donc je fais attention. Je fais gaffe à ces machins. Parce que j'ai failli mourir tout à l'heure, hors caméra, avec ces trucs à la con. Hop. Comme ceci. Et bien sûr, j'aurais plus assez de slab. Donc, il va falloir que je refasse une table de craft. C'est génial. Hop. Je vais en faire d'avance. Excusez-moi, je me rends compte aussi que je parle alors que le micro n'était pas devant ma bouche. C'est génial. Ok, parfait. Donc ça, c'est bon. Et j'ai juste oublié de faire au niveau d'ici. Je l'ai fait normalement à cette... Je sais plus si je l'ai fait en pierre, du coup, ou si je l'ai fait en bois. Parce que je l'ai fait que ici. Je l'ai fait en pierre, ok. Pierre. Hop là. Je vais le faire là-dedans aussi. Et donc je l'ai fait à ce niveau. Hop. Voilà. Là, pareil, au même niveau. Tac, 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 et tac. Là, je mettrai les échelles, après, vous aurez compris ça, je pense. Et donc, pareil ici. Et voilà, pile le nombre de slabs qu'il fallait. Donc, c'est parfait. On va continuer le mur juste ici. Mais il va falloir des escaliers, je les ai. Mais il me faut des fences. Alors, ah oui, du coup, quoi? Le craft avait changé, du coup. Ah, mais que ce soit pas le même. Je me rappelle plus, parce que je l'ai crafté tout à l'heure, pourtant. Ah oui, c'est vrai, c'est le nouveau craft. Pff, putain, je suis perdu. Tac. Hop là, comme ceci. Parfait. Parfait. Donc, que je m'en rappelle, comme ceci. Voilà, le mur, on peut le monter, de toute façon. Je sais plus jusqu'à où je l'ai monté. Hop. Là, on fait une petite croix. Ok. Avec le magnifique bug. C'est génial, on adore. Ok. Paf. Paf. Là, les escaliers comme ceci et comme ceci. Et là, après, là-haut, c'est une rangée de slabs. Mais je n'ai plus de slabs. Paf. J'ai récupéré la table de craft qui était... Oh ouais, c'est bon, j'ai récupéré la table de craft qui était tout en haut. Par contre, je l'ai pas récupéré sur celui-là. J'ai récupéré tout à l'heure. Hop, on monte, on monte, on monte.
Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Du coup, je crois que j'ai mis des blocs en fin de compte. Non, j'ai pas mis des blocs, c'est ça. C'est juste qu'en fait. Ici, voilà. Alors, normalement, j'ai fait ça, ça. Pourquoi je me suis débrouillé? Advance. Je comprends pas. Ah, mais si, c'est bon, c'est juste que je suis teubé. Il y a tellement plein de fois le même bloc et du coup je me perturbe tout seul. Non, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, voilà. Alors là, je vais aller dormir du coup. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Et du coup, je vais continuer le reste hors caméra parce que ça va être un petit peu long. Et on se retrouve une fois que je suis à la suite. Donc, à tout à l'heure. Bruitage magnifique. Attention. Boum. J'ai fini le muraille. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, en fait, tout simplement continuer les patterns. Au niveau des murs ici, voilà, j'ai fait un truc assez simple. Avec ici des petites poutres pour soutenir un petit peu tout ça. Là, j'ai fait une grande ouverture parce que je compte étendre un peu plus la zone vers ici, genre par exemple pour des champs ou un truc du genre. Ici, comme vous avez pu voir, j'ai fait un tout petit, vraiment tout petit système en redstone. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est juste pour pas que les mobs puissent passer, les mobs de hauteur. Pourquoi j'ai pas fait un truc qui monte jusqu'en haut? Simplement parce que je n'avais pas la place, et je sais pas si c'est possible, je crois pas que ce soit possible avec ça. Avec du sable, oui, c'est possible, vous faites un double extender et voilà, le sable arrive ici. Mais du coup, ça casse le côté un peu RP des hertz, on va dire. Et sinon, il aurait fallu que j'utilise ces tours en fait pour le système redstone. Tout ça aurait été un peu compliqué, mais vu qu'on n'est pas là pour faire de la redstone, mais faire un petit peu de RP, on va dire. J'ai préféré faire ça, au moins ça fonctionne très bien. Et c'est parfait. Donc, au prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on va s'occuper de faire une petite maisonnette. Une petite maison ici. Là, je vois bien un truc d'enchantement, à mon avis, quelque chose comme ça. Et je vais réfléchir, voilà, un peu plus tard pour ici, ce que je vais faire exactement. J'ai regardé un peu aussi, j'ai vu qu'il y avait des blocs, un peu, je m'en rappelais plus. Voilà, par exemple, l'incubateur. Ben, on peut le crafter, parce qu'apparemment, je vais en avoir besoin pour mon œuf, si je me rappelle bien. Alors, donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de planche aussi. Donc, comme ça, si je me rappelle bien. Non, pas ça, ça. Et ça. Non, ok. J'ai dû inverser. Ouais, c'est l'inverse. Ok. Puff. Comme ça, et comme ça. Ok, incubator. Donc, on le pose ici. Et donc, ouais, il faut poser. Alors, les œufs, ils sont là. Mais je sais pas si c'est bien ça. Là. Attends, on va dormir. On va dormir pour l'instant, ok. Comme ceci, j'imagine qu'il faut mettre ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Ah, je vois, je me suis fait tirer dessus. Hop, voilà, on va dormir vite. Je vais regarder. Je sais pas ce que c'est comme combustible, ce qu'il faut mettre. Est-ce que c'est pas plutôt des torches peut-être? Si, voilà, c'est ça. Et donc du coup, là, j'imagine qu'il faut attendre que ça finisse et ce sera bon. Donc on va voir ce que ça fait. J'ai découvert ça tout à l'heure en me baladant dans les pages de ça. Il y a aussi l'altar. Je crois que c'est l'équivalent de la table d'enchant. En plus, on peut le faire. Bon, attendez. L'azanite, j'en ai ici. Bon, on découvre en même temps. C'est comme ça, on aurait fait un petit peu de décoration et un petit peu de découverte de mode. Altar, on va le poser ici. Comment ça fonctionne? Qu'il faut que je fasse un item qui soit pas endommagé. Hop. Genre, par exemple, je sais pas, on va se refaire une hache, on l'aura pour tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Par contre, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Pas. Faudrait que je regarde comment ça fonctionne à l'altar. Ah voilà. Ah et du coup il spawn directement. Il a faim. Ah donc il faut lui donner des ça. C'est ça que tu veux?
Allez, mange. Ah, c'est bon, il a plus faim. Mange encore. Ah, il peut plus. Ok. Donc, du coup, si j'utilise le blue. Voilà. Hop, tac, ça va le faire. Spawner aussi. Ok, super. Et donc, après, voilà, je peux les adopter si je dis pas de bêtises. Mais bon, faut peut-être que je le bloque. Par contre, il faut pas qu'il s'échappe. Tac, 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 tac. Je sais pas s'il peut sauter des deux hauteurs. Ok, bon, on aura fait une petite découverte, c'est cool, c'est cool. Attends juste que celui-là finisse, et je me renseignerai aussi pour le prochain épisode à quoi sert l'altar, mais il me semble que c'est ça, c'est pour enchanter. Et il faut sûrement que je jette un livre enchanté ou un truc du genre dessus pour que ça l'enchante, je pense. Après, je sais pas trop. Mais il y a plein de trucs comme ça, ouais, je vais regarder. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Orange lollipop, ok. Ah, on peut en faire en plus. Ok, des sucreries. Ah, ça c'est des clés. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Continuum bombe. Ah, d'accord. C'est bizarre, il y a vraiment plein de trucs assez bizarres. Je m'en renseignerai un peu plus pour le prochain épisode au niveau des items. Ça c'est des items qu'on récupère sur un boss, si je me rappelle bien. Ça c'est quoi? Healing stone, ok. Je pense qu'après c'est des machins qu'on récupère dans les donjons, ça. Hammer of Notch, ok. Alors, ah ça y est, tu as faim. Allez, tiens, mange mon enfant. Allez, sors de là par contre. Voilà, allez, décale-toi pour que je puisse te mettre en cage. Hop, hop, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Et voilà. Ok, super. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des idées pour le prochain épisode au niveau de la décoration, n'hésitez pas à me le dire. Le sol va changer aussi. J'hésitais à prendre de la... Voilà, la Carved Stone. Mais c'est ça que je voulais faire. Mais il faudra du coup que j'aille récupérer le reste dans les donjons. Donc, à voir. Je vais voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Commenter, donc voilà, si vous avez des réactions à faire par rapport à l'épisode, et à vous abonner pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Sur ce, c'était Tilmos. Ciao tout le monde, bye bye. Peace. 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 Peace.